Bien, salut à tous, c'est Ben Cog, et là aujourd'hui on se retrouve non pas sur Planet Coaster mais sur Planet Zoo comme je vous avais dit. Donc ce n'est pas pour faire un let's play. En fait ici le zoo que vous voyez, eh bien c'est un zoo communautaire sur un Discord que je participe, et cette semaine c'est mon tour de faire un enclos. Donc moi j'ai choisi les hippopotames nains et les hippos normaux, mais je pense juste faire les hippos normaux. J'aurais pas le temps de te faire les nains, je pense. Donc, en consigne, je dois juste pas utiliser cet espace. Après, je peux faire mon enclos où je veux. Donc, je vais vous faire voir vite fait un peu à quoi ça ressemble notre zoo communautaire, qui est vachement, vachement bien. Déjà, cette entrée est magnifique. C'est avec le petit bus. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Planet Zoo, eh ben c'est comme Planet Coaster, sauf que c'est un zoo. Vous pouvez tout personnaliser, les bâtiments comme vous voulez. C'est exactement le même principe. Là, vous voyez où ils avaient un enclos des lémuriens, où ils peuvent passer par-dessus les visiteurs ici. On a une belle cascade ici, franchement. Ils ont bien travaillé. Je vais pas tout vous faire voir, hein. Sur le but là c'est vraiment de faire l'enclos. Je vous fais juste comme ça un survol un peu. J'adore, c'est. Il y a un pont là. Regardez, ils ont fait un pont. Hein. Il est magnifique le pont. Et il est fonctionnel, hein, comme vous pouvez voir. Il y a un chemin en dessous. Hein. Franchement, il est super bien fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Après, je ne sais plus, hein, j'ai encore une belle cascade, un beau plan d'eau. Franchement, il y a du taf, il y a eu du taf de fait. On a à peu près une semaine en fait par un enclos. Donc moi j'aimerais bien partir ici. Je vois qu'il y a un bel espace pour faire mon petit enclos des hippos. Alors je vois bien une baie vitrée, hein, on puisse les observer sous l'eau. Et aussi une plateforme par-dessus, un peu comme Péri des Eaux, je sais pas si vous connaissez. J'essaie de reproduire un peu le même genre d'enclos. Donc on va commencer ça tout de suite, et moi je vous dis à tout de suite. Thank you.
Donc voilà un peu ce que ça commence à donner. Mon enclos des hippopotames. Donc il n'est pas du tout terminé. Hein. On va terminer ça dans la vidéo. Et je voulais vous parler un peu de tout ça parce que je trouve quand même que le rendu là ça commence à rendre pas mal. Donc vous n'avez pas vu, mais hors accéléré, là j'ai agrandi la zone d'eau parce qu'ils en avaient pas assez. Ils en demandent combien? Voilà, vous voyez, c'est tout juste 1040. 7 mètres carrés. Et là, on est bien en terrain, en eau. Donc, on est nickel. Il va falloir juste que j'enlève parce que du coup, il y a un peu trop de roches. Mais ça, je ferai ça après. Donc, on aura notre petite plateforme. Donc, du haut. Alors, attendez, je vais juste cliquer là-dessus pour que le message disparaisse. Voilà. Donc, on va monter ici. J'ai pensé aux handicapés. Bon, j'ai fait une rampe. Bon, elle est extrêmement pentue, mais je pouvais pas faire autrement. Je sais pas trop. J'essaie de passer par là. J'ai vraiment galéré avec les chemins. Mais bon. Comme vous le savez, Planet Coaster, Planet Zoo, les chemins, c'est pareil, c'est toujours aussi galère à faire. Donc on aura notre petite vue d'en haut, je vais mettre des petits panneaux explicatifs sur les hippos. Là, je vais décorer la façade, elle n'est pas finie du tout. Et le dessous, ça sera un peu le petit bassin. J'ai voulu essayer de faire un petit... Alors, je ne sais pas si ça va rester, je pense que je vais juste faire un muret en fait. Un petit muret avec des barrières, ça sera bien. Je sais pas encore, ça faut que j'y réfléchisse. Mais bon, là au moins c'est leur petit bassin. Est-ce que c'est fonctionnel? Je ne crois pas. Il va falloir que je trouve une solution pour qu'ils puissent y aller. Oui, ils peuvent rentrer jusque-là, mais je sais pas pourquoi ils peuvent pas monter là. Ça, il va falloir que je voie à ça. Sinon, franchement, c'est plutôt pas mal là. Donc, dans le deuxième accéléré, ben, on va essayer de terminer ce petit enclos de ce petit zoo communautaire qui commence à ressembler à quelque chose. J'aurai tout peut-être. Toute la partie grotte là à aménager. Je sais pas encore si je fais une grotte ou si je fais un bâtiment. Je verrai. Et sinon, moi je vous dis à tout de suite après le deuxième accéléré.
Allez, voilà ce que ça donne. L'enclos à peu près terminé. Donc, j'ai pas tout fait voir en accéléré. Comme vous avez pu voir, j'étais obligé d'agrandir l'enclos parce qu'au final, j'avais mis qu'un hippo et avec deux hippos, bah, il demandait encore plus d'espace. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire un deuxième mare ce côté-là. Bon, j'avoue que je l'ai fait assez rapidement parce que je suis un peu pris par le temps. Hein. On a une semaine pour faire le zoo et enfin l'enclos. Et en plus, là, je travaille tout le week-end. Donc, j'essaie de me speeder un peu. Donc, on va faire une petite visite. Donc là, on a une petite vue sous-marine ici, donc assez simple le bâtiment. J'ai pas décoré plus que ça à l'intérieur, par manque de temps. On va juste faire ça, il y a un petit défaut ici, c'est pas grave. Hop, ça. Voilà. Donc vue sous-marine sur nos petits hippos. Là pour l'instant ici, il n'y en a pas. Ensuite, on avance. Enfin, on revient. Donc, dans cette allée, on a une vue là sur l'enclos des hippos avec la marque qui est juste devant, des petits panneaux informatifs à droite à gauche. On le voit là, notre beau hippo. Bon. Franchement, ils sont super bien faits, les animaux dans ce jeu. C'est incroyable. Franchement, modélisation des animaux, elle est excellente. Franchement, je vous le conseille ce jeu pour ceux qui connaissaient pas. C'est vraiment du Planet Coaster, mais en zoo, quoi, à la place des attractions, mais des animaux, hein, c'est le même principe. Alors ici, voilà, petite statue, là j'ai fait de la petite déco informative. Ici aussi, là je vous l'avais fait voir, hein, c'est le bac. Bon, il sera pas fonctionnel malheureusement. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, il y a des petits trucs, tout ça, je fignolerai. Et ensuite, on a notre petite passerelle. Hop, avec une vue du dessus de l'enclos. Voilà ce que ça donne. Ça rend aussi une belle vue ici. Pareil, bâtiment assez simple. Je suis pas compliqué la vie. Et là, on redescend sur leur petit abri. Donc voilà pour cet enclos des hippopotames. Ah, attendez, hop, je me suis gouré. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire hein, si Plein Zoo ça vous a plu. Je sais que, bon, moi je me dis, plutôt que de faire un let's play, pourquoi pas faire juste des enclos comme ça sur une map vide, essayer de faire des enclos, des jolis enclos. Et comme ça, je pourrais sortir quelques vidéos par-ci, par-là, sans être obligé d'être pris par le temps. Donc voilà pour cet épisode. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!